Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est MrBC122. On se retrouve enfin pour jouer à Star Wars Battlefront. La version finale, hein, bien sûr, parce que si vous avez vu la vidéo sur Destiny, vous savez très bien que j'avais fait une vidéo sur la bêta, mais que je ne l'ai pas sortie parce que tout simplement j'étais à la caméra, ça m'a pas plu. Donc voilà, tout simplement. On se retrouve pour le jeu final. Mais juste avant de pouvoir jouer vraiment, je vais vous présenter un petit peu les contenus de ce Star Wars Battlefront. Bien sûr, sans le Season Pass, sans les DLC. Enfin, sans les DLC, pas le Season Pass. Hein. Donc, sans les DLC. Donc déjà, sachez que le jeu final ne représente pas du tout la bêta. Donc, pour tous ceux qui ont dit que, enfin, en jouant la bêta, se disent ouais, c'est nul. Là, j'ai envie de leur dire sur le jeu final. Non, ce n'est pas vrai. Eh ouais, les cocos, c'est complètement différent. C'est pas bien représenté par la bêta. Hein. Donc voilà, maintenant on va présenter un petit peu les modes de jeu. Tout simplement, donc vous allez retrouver certains trucs de la bêta, ça c'est normal, mais vous allez voir, il y a énormément de contenu quand même, je trouve. Il y a déjà un côté collection qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est pas mal fichu, plutôt sympathique. Ben voilà, vu que j'en parle, vous voyez, donc ça vous avez déjà vu, hein, c'est l'apparence de notre personnage. Il faut savoir aussi que je ne sais pas combien de temps va durer cette présentation, donc je ne sais pas si je vais faire une ou deux vidéos aujourd'hui, puisque j'enregistre, il est dimanche le 22 et il est ouais, il est 8h, donc ça va, je pense qu'on peut se faire deux vidéos, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais pas encore si je vais vous mettre un gameplay à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long. Je verrai. Sinon, vous retrouverez juste après une vidéo. Donc, vous aurez deux vidéos aujourd'hui, normalement. Ou à moins que ce soit... Enfin, vous les verrez demain, sûrement. À moins qu'il y en a qui se couchent tard. Bref, on a le côté rebelle. D'accord, génial. Appuie sur le rond, c'est bien. Le côté impérial. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de personnages à part à la fin. Enfin, je veux dire, de personnages spéciaux. À la fin, on a vraiment trois petits trucs. Bon, d'accord, je suis au côté des rebelles. C'est génial, moi. Je fais pas attention à ce que je fais. Du coup, la vidéo, elle va être beaucoup plus longue que prévu. Et du coup, pas de gameplay. C'est génial. Je vous saute direct le gameplay, quoi. Donc tout simplement, on a ces deux personnages qui sont vraiment plutôt différents des autres, mais après le reste, ça reste des humains. C'est au niveau du côté paladin, on va dire. Enfin, paladin, ceux qui marchent, hein, tout simplement. Parce qu'après, on a les Stormtroopers et puis les autres, je sais jamais. Et on a les emotes, c'est les réactions. Hein. C'est plutôt sympa, ça. Ça donne un petit côté un peu plus fun. Voilà, donc tout ça, c'est le côté de son personnage au niveau du mode en ligne. Le blaster, bon, là, c'est les armes, tout simplement, hein, qu'on achète avec des crédits. Crédits qu'on a à chaque fin de match. Enfin, de mode en ligne, hein. Pour ceux qui ont fait la bêta, ils le savent déjà. Vous voyez, je suis en 10, mais ça, c'est parce que j'ai essayé de tester un petit peu le jeu avant de... Enfin, j'ai espéré de bien le maîtriser avant de pouvoir tout vous présenter. Les cartes étoiles, bah, c'est ce qu'on a dans la main. Parce que, voilà, les compétences, en gros, ils appellent ça main. C'est les cartes, les différentes cartes qu'on peut avoir. Donc, vous voyez, des grenades, des machins, des... Et on les débloque avec les crédits, bien sûr. Alors que je viens de faire tomber mon micro. Enfin, mon micro, mon casque. C'est génial. Enfin, j'ai pas fait tomber mon casque, mais le lien pour le brancher, parce que ça marche par USB, pardon.
Donc comme ça, ça reste du mode, enfin ça reste une vidéo en live hein, un petit peu. Vous savez que je coupe très peu mes vidéos. J'aime bien que ce soit bien représenté en live. Donc on a là le vrai côté collection que je kiffe. Franchement, j'aime bien le diorama. Ça fait un peu penser à diaporama, bien sûr. Et en fait, c'est des figurines à collecter. Donc on va aller dessus. Donc voilà, j'ai essayé de pas vous faire subir les téléchargements qui sont quand même un petit peu longs. Donc tout simplement, vous voyez, hein, participer à 30 matchs, voilà, vous avez plein de petites figurines à collectionner. Donc, pour l'instant, j'en ai qu'une, je vais vous la montrer, hein, c'est le Stormtrooper que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps, parce que je viens de passer numéro 10, enfin rang 10, pardon. Donc voilà, on a l'empereur, tout ça. Et à la fin, ça vous donne toute une scène en fait. Donc voilà, quand on clique sur le Stormtrooper, en fait, il réagit et on peut tourner autour de lui. Voilà, je ne fais pas. Voilà, on peut tourner autour de lui. On peut vraiment bien voir les. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est pour le diorama. Ça vous donne un petit côté challenge, essayer de récupérer un petit peu tout. Alors que je viens de refaire tomber parce que je suis en train de le charger. Ça, j'étais pas obligé de le dire, mais c'est pas grave. Bon, je vous l'ai dit, j'ai rien à cacher. Donc je viens de faire tomber ma prise USB pour le truc, c'est génial. Là j'ai des fils partout parce que je suis en train de recharger ma manette et je suis en train de recharger mon casque, c'est génial. Donc où j'en étais, oui, le côté collection, je pense que j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Maintenant on passe au niveau des stats. Donc là du côté gauche vous avez aux stats multijoueur, comme vous voyez, avec les défis à réaliser. Un truc que je vais vous dire, parce que moi je me suis fait avoir, c'est j'ai regardé les défis à droite et je voyais que j'avais fait un défi, alors j'ai appuyé sur la croix et non, quand vous appuyez sur la croix, en fait vous dépensez des crédits pour pouvoir changer de défi. Moi je pensais que s'il me donnait l'expérience qui est censé Bon, je vais pas trouver mes mots, donc on va passer. Mais en tout cas, faites attention bien. Enfin, maintenant, vous allez faire attention puisque je vous le dis. Faites attention à ça. Donc, vous voyez que j'ai perdu quand même 56% sur tous mes matchs. J'ai pas un très bon ratio, mais ça, je m'en fous. Hein. Moi, je joue pour le fun. Je joue pas pour la win, hein, on va dire. Après on a l'état-major, ça c'est tout ce qui se passe sur smartphone au niveau de l'application. Donc c'est pour gagner aussi un petit peu de crédit. C'est un peu à la manière aussi de NBA 2K si certains connaissent ce système là. On joue un petit peu sur smartphone et en même temps on gagne des crédits pour son jeu, donc c'est plutôt pas mal. Bon, là c'est le pass de saison, mais ça on s'en fout. Les paramètres, hein, les différents paramètres, voilà. Et maintenant le mode jouer, bien sûr. Donc vous avez un côté multijoueur, là c'est la vraie bêta, hein. C'est le côté multijoueur pur. Je sais pas pourquoi je dis la bêta, bon bref, côté multijoueur pur. Et là vous avez un côté mission. Donc dans le côté mission, ceux qui ont vu la bêta ils le savent, il y avait le mode survie où vous pouvez jouer en solo. Et maintenant vous avez la formation, donc tout simplement c'est pour apprendre un petit peu à jouer. Et l'avantage c'est qu'en fait je crois que c'est aussi pareil sur la survie, vous voyez, vous pouvez jouer en solo, en partenaire, donc ça c'est partenaire en ligne, et carrément en écran partagé en mode coop local. Donc c'est plutôt sympa si vous avez des amis, bon, si vous avez un ami plutôt, si vous avez un ami, voilà, vous pouvez jouer avec lui, c'est plutôt sympa. Bon, pour le meilleur temps, tout ça on s'en fout, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu les différents modes. Donc je vous ai dit, formation c'est pour apprendre à jouer. La bataille, en fait, tout simplement,
C'est on est sur une map, on utilise je sais plus si on est un héros, je sais plus. Je crois qu'on est Stormtrooper et tout ça. Et en fait, il suffit de si peut-être on est peut-être un héros, je sais plus. Et en fait, on a des ennemis, il faut les tuer, mais c'est pas le même concept que la survie. La survie, c'est vraiment des vagues d'ennemis avec quelques petits objectifs, et vraiment faut tuer les vagues, voilà. Après, on a le mode multijoueur. Alors, sachez déjà que le mode multijoueur, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas encore fait tout ce qui est course au droïde, cargaison, zone de largage, et c'est tout. J'ai essayé la suprématie. Donc la suprématie, tout simplement, c'est une guerre de 20 contre 20. C'est vraiment bluffant. C'est un truc de ouf. Bah, en gros, c'est un match à mort, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Tout simplement, quelques petits objectifs. Donc voilà pour la suprématie. L'attaque des marcheurs, donc tout simplement, comme vous voyez, attaque défense. On aura vraiment les gros monstres, hein. Enfin les gros monstres, les robots, tout ça. L'escadron de chasseurs, tout simplement, ça c'est un mode que j'aime beaucoup. C'est c'est de la bataille dans l'espace, en fait. Donc on prend soit les tailles, soit les X-Wing. Et on se bat dans les airs. Et de temps en temps, on a des Faucons Millennium ou je sais plus exactement le nom. On voit que j'ai bien révisé avant de faire cette présentation. Bref, de toute façon, c'est pas une présentation pour. Enfin, c'est un peu pour vous inciter à jouer, mais après, voilà, c'est. Je me suis dit c'est le moment de faire du Star Wars et de vous montrer du Star Wars, mais on fera du gameplay juste après, et plus je parle et plus le temps est long. Après, comme je dis, zone de largage, je ne sais pas, mais c'est en gros, ouais, voilà, capturer plus de capsules. Donc on a des capsules qui arrivent et on va les chercher, voilà. Donc tout simplement, en fait, j'ai pas joué à trop ce genre de jeu, de mode de jeu, parce que tout simplement je trouve que c'est pas très original. Bon, vous allez me dire, les escarmouches, c'est quoi, c'est du deathmatch tout simple. Et la suprématie, c'est du deathmatch tout simple avec plus de monde. C'est vrai que c'est pas très original, mais voilà, on a l'escadron de chasseurs qui est vraiment original. Et surtout, ce que j'adore, moi, c'est l'affrontement héroïque. Donc tout simplement, l'affrontement héroïque, comme vous voyez, on est à 12 contre 12, 12 contre 12, n'importe quoi, on est à 6 contre 6. Il y aura 3 héros de chaque côté, 3 paladins, je vais les appeler paladins parce que voilà. Donc 3 héros, soit de l'Empire, soit des rebelles. Et le but du jeu, ça va se passer un petit peu comme sur Call of, la recherche et destruction. Donc tout simplement, il faudra tuer les 3 héros, donc à savoir pour l'Empire, Boba Fett, Dark Vador et l'Empereur Palpatine. L'Empereur Palpatine, oh là là. Et de l'autre côté, Luke Skywalker, Leia et Han Solo. Voilà pour ça. Après, moi, c'est vraiment le mode de jeu que je préfère, parce que c'est sympa, c'est rapide, et puis c'est très original, moi, je trouve. Après, on a la traque du héros. Ça, c'est un truc vraiment compliqué, parce que comme vous voyez, on est 8 sur la map. Mais en fait, c'est... comment dire, un pour tous, c'est tous face, comment dire, non, on va pas dire comme ça, on va dire enfin on est tous les uns contre les autres, et pourtant on est en équipe. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais une fois qu'on est dedans, on comprend un petit peu. En fait, on a un héros de base qui est choisi aléatoirement, qui est incarné par un joueur, hein, bien sûr. Vous le tuez, le dernier à l'avoir tué, enfin celui qui l'a tué le remplace, et
Vous devez tuer le plus de personnes en étant un héros pour pouvoir remporter la partie. Voilà. Mais en gros, vous êtes 1 contre 7, quoi. Donc, vous êtes. C'est assez compliqué. Mais c'est plutôt fun. Moi, j'aime bien. C'est original. Donc, voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y avait à peu près à savoir. S'il me revient des choses, à ce moment-là, je les rajouterai. Mais sinon, je pense que c'est bon. Donc sur ce, je vais voir si c'est pas trop long et à ce moment-là je vous mettrai du gameplay, ou sinon on se quitte là-dessus et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo sur Star Wars Battlefront, cette fois-ci avec du gameplay. Bref, je vais voir ça, sinon je vous mettrai une petite vidéo de fin pour vous dire salut. Et retour le monde, c'est pas Squeezie. J'aime bien la faire celle-là. Comme vous avez vu sur Slender, j'avais fait Eyo tout le monde c'est pas Eyo tout le monde c'est Squeezie. Et bah là je fais Eyo tout le monde c'est pas Squeezie. Bref, c'est de la merde. Bon, j'ai vu que apparemment il nous reste du temps puisqu'on est à 16 minutes de jeu. Je veux pas vous faire une vidéo trop longue, mais quand même vous laisser sur un petit dernier gameplay. Et ce qui pourrait marcher le plus quand même, c'est l'escadron de chasseurs. Hein. On va se faire un escadron de chasseurs tout simplement parce que c'est vraiment ce qui peut attirer pas mal de gens à acheter ce jeu. Mais je fais pas de la pub pour ce jeu, hein. Je vous incite pas à l'acheter, mais c'est vraiment ce qui pourrait vous intéresser le plus. Et en même temps, bah, je dis ça, mais le nombre de vues, le nombre de clics, tout ça, ça j'aime bien, mais je vais pas, je fais pas une obsession en fait. Ça me dérange pas que j'ai compris que la chaîne ne marchait pas trop, donc ça ne me dérange pas. Écoutez, c'est comme ça, on peut pas être aimé de tout le monde. Et voilà quoi. Mais bon, ça ne m'empêche pas mon plaisir de vous faire partager pour certains mes jeux, mes envies de jeu. Voilà. Donc on va se laisser on va se remettre sur l'escadron de chasseurs. Et je voulais juste revenir, j'ai dit paladin pour les guerriers. Je voulais juste dire les guerriers qui marchent, et en fait c'est pas paladin, c'est peut-être fantassin ou un truc comme ça, et je me suis trompé. Bah, voilà, bref. Donc pour ceux qui ont vu Paladin juste avant et qui sont ébouriffés, je me corrige. Donc je vais juste dire guerrier qui marche en fait, tout simplement comme ça je ne me tromperai pas. Et ben voilà, on va se lancer ça. Ouais, voilà, on va passer tout simplement, vous allez comprendre. Alors que je suis un chasseur taille, et vraiment ça m'ennuie parce qu'en fait le son est super fidèle, mais alors ça vous casse la tête le son. C'est quelque chose un peu de fou. Alors déjà vous voyez que on va avoir pas mal de mecs qui nous tirent dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est aussi les esquiver. Ah, bien sûr, hein, sinon. Donc tout simplement là il va falloir défendre ou attaquer un vaisseau spécifique. Enfin défendre quand c'est à nous, attaquer quand c'est à nous. Voilà, enfin quand c'est eux qui défendent. Bon, vous avez compris. Donc tout simplement ce mode de jeu est quand même assez facile à prendre en main, hein. C'est pas comme Battlefield, hein. C'est beaucoup plus facile, alors que là je me fais loquer. Ah putain. Ouais, parce que des fois on est tellement concentré sur qu'on doit oublier qu'on peut se faire destroy, et puis des fois c'est pas facile de remonter. Mais sinon tout simplement il est facile, il suffit de loquer avec le L2 votre ennemi, et tirer avec R2 ou alors avec le R1 qui vous lancera un missile auto-guidé si vous avez bien loqué. Donc là jusque là rien de très compliqué, mais je vais vous dire, il n'est pas très compliqué ce mode de jeu, et même quasiment tous les modes de jeu ne sont pas très compliqués, hein.
je pense que DICE avec enfin EA, DICE ouais pareil, c'est juste que c'est pas Call of, c'est DICE. Et voilà, je me suis fait niquer. C'est pas grave. Déjà c'est fini, c'est déjà fini. Bon bah c'est pas grave, on va s'en relancer un petit. Je pense que vous voyez, on a différents on a un podium à la fin tout simplement. Après on augmente nos stats, donc ça se il y a 5 différentes catégories de points. Hein, comme vous avez vu, vous allez revoir, je vais pas les dire. Et à la fin, on a un score total. Et en fait, ils prennent que les 3 derniers chiffres pour vous donner les crédits. Et voilà, comme ça, ça me permet de vous dire aussi que tout simplement, quand vous êtes. Hop là, désolé, Rototo. Comme je vous dis, j'ai rien à cacher. Quand vous êtes en ligne, en multijoueur, tout simplement, ce seront des matchmaking. Hein. Donc c'est à vous de quitter quand vous voulez, sinon vous êtes tout le temps sur un flow, on va dire. Donc là il m'indique la partie a commencé, donc j'y vais. Ah ça tombe bien, en plus on est à l'avant-poste, donc en plus je suis un X-Wing, j'adore ça, c'est cool. La neige, c'est parfait. Bah, il met avant-poste bêta parce que à mon avis ils ont pas retravaillé ils ont pas retravaillé la map, hein, je veux dire. Ah ya ya, je me suis fait avoir. Bon oui, j'étais sur 30 secondes, ça me gratte les oreilles. Je n'ai rien à cacher. Oui, donc je disais, je parlais du mode de jeu qui était assez simple. Donc il vous faudra un tout petit temps d'adaptation, je pense en 3 parties, ce sera fait quoi. Vous pourrez jouer comme un dingue. Donc voilà, c'est un mode plutôt fun à jouer. Après moi je vous dirais pas que j'y jouerai pendant des heures et des heures, hein. Mais après il y a des gros, enfin il y a des gros joueurs qui jouent qu'à ça, mais c'est pas mon cas. Moi j'aime bien varier les plaisirs, changer de mode de jeu, et notamment les modes de jeu héroïques que je vous présenterai dans une prochaine vidéo tout simplement. Aïe. Et il faut savoir aussi que je ne suis pas un gros joueur qui va aller chercher la win et qui est juste là pour s'amuser quoi. Et voilà, je pense pas que je suis un très mauvais joueur non plus, hein. Je me débrouille bien. Ouais, j'ai tapé dans l'esclave. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Faucon Millennium ou esclave. Ah oui, ce que je vous ai pas montré, c'est ça, c'est qu'on peut aller dans la vue cockpit et c'est à gerber. Qu'on soit, je vous l'ai pas montré en tant que taille, mais ça fait vraiment bizarre. Je préfère vraiment la vue comme ça, mais après c'est pour ceux qui vraiment aiment bien la vue cockpit, pardon. Donc vous voyez là, on doit attaquer, donc tout simplement. Ce que je vous ai pas montré, c'est avec le L1. Bah, comme vous comprenez, un bouclier, donc ça me permet de me défendre pendant un laps de temps. Ouais, juste tout simplement comme ça, si on m'attaque ça ne me fait rien, d'accord. Il suffit que et le R1 justement, c'est un missile qui vise un missile auto-guidé, moi je dis. Je sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Voilà, il se dirige tout seul, auto-guidé. Voilà, là je l'ai bien loqué, je peux y aller et je l'ai détruit. Vous voyez, ça fait pas mal de points, ça monte assez vite.
Et voilà. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que vous voyez, vous avez peut-être compris tout seul au niveau du score, en fait, tout simplement. Quand vous en tuez un, bah ça vous fait un point, et puis voilà, c'est soit autant, soit merde, il m'a bien eu. Ouh. Soit autant, soit au nombre de points. Hein, quand on arrive à la fin, alors que vous voyez que je suis en train de perdre. Je gagne pas souvent sur celui-là, hein. Sur ce mode de jeu-là, je gagne pas souvent. Oh, ça c'est de l'esquive, ça. Bon bah voilà, j'ai perdu. À ce moment-là, je vais peut-être faire un dernier petit gameplay. Je crois qu'on va se laisser sur une petite formation. Voilà, je reviens tout de suite. Je suis venu sur la formation, l'histoire de vous montrer un petit peu du multi, du solo, mais sans aller trop loin, l'histoire de pas faire une vidéo trop longue, hein, je le dis, je le répète, hein. Et je vous laisse sur la poursuite sur Endor, parce que je la trouve vraiment très compliquée, l'histoire de finir pour se marrer un peu, parce qu'on se prend souvent des arbres, on se détruit, mais c'est quand même assez fun, hein, c'est plutôt sympa. Ce qui est énervant, c'est que c'est de la formation. Ah, ça parle, donc je me tais. Donc tout simplement, la poursuite, c'est parti. Oui, je disais, ce qui est embêtant, c'est que, voilà, c'est de la formation, putain. Vous voyez, ça va plutôt assez vite, faut avoir du réflexe, que j'ai un petit peu de mal. Si vous connaissez un petit peu mon cas, c'est un peu compliqué. Je peux pas dire que c'est méga dur non plus, hein. ça va. Hein. Ça reste de la formation, et c'est là où ça fait mal, quoi. C'est que voilà, faut. Waouh. Alors j'ai pas tout essayé, mais j'ai pas envie d'essayer et tout. Alors là, je comprends pas. Là, vous êtes témoin d'un bug, là. Je suis passé en plein milieu, hein. Bon, et appareil là, c'est pas grave. Je sais pas si je vais pouvoir finir cette petite formation. Ça se trouve, je vais mourir avant. Wow. Faut rester hyper concentré tout en faisant attention aux arbres. Et c'est pour ça qu'elle est fun, même si elle est compliquée. Elle est vraiment fun. Cette petite formation. Et on peut encore corser plus. Wow, putain. Moi je m'éclate, hein. Franchement, le mode jet, je m'éclate. Oui, je m'éclate, c'est le cas de le dire, hein. Je m'éclate sur les arbres, putain, hein, voilà. Bon. Bah, il me reste plus qu'une vie. Pour finir le truc, je crois que ça va être chaud. Je pense que au bout d'un moment, ça viendra. Faut connaître un peu le parcours par cœur. Hein, un peu le parcours Tony pour Code John. Ah putain. Pour rien. Ouh, je suis tellement concentré que même mes vannes tout, voilà, même mes vannes toutes pourries, ça ne passe pas. J'ai du mal à les dire. Bon ben voilà, c'est un échec de la mission. On va se relancer. On va se relancer ça. Il y a un truc là. Je sais pas. C'est l'effet Star Wars. J'ai retourné un enfant, je sais plus parler. On va se relancer ça et on va se quitter là-dessus. Voilà. Tout simplement. On s'en refait une, histoire de se marrer un petit peu. Et après, on y va. On attaquera le sérieux dans la prochaine vidéo. Il y aura sûrement des lives. Hein. Je ferai sûrement des lives. Dites-moi dans les commentaires
Enfin, j'ai envie de dire, dites-moi dans les commentaires, mais sachant que je regarde tout le temps mes commentaires, il n'y a jamais quelque chose. Je me dis, si je vous dis dans les commentaires, dites-moi quand est-ce que vous êtes chaud pour un live. Enfin, quand est-ce qu'on peut se faire un live et quand est-ce que je peux l'annoncer et que je pense qu'il y aurait pas mal de gens. Ouais, ça va pas trop le faire, donc bon, allez, à la limite, hop. Et oui, vous avez... j'appuie sur L1 et ça fonce. Waouh. J'ai du mal à gérer, c'est... il faut des réflexes de ouf que je n'ai pas. Enfin, que je n'ai plus, hein. Pour ceux qui me connaissent. Hop là. Eh bien, ça commence bien. De toute façon, j'ai jamais été un grand fan de ce genre de truc. Enfin, j'adore ça, mais je suis nul. Et vu là, cette fois-ci, je suis bien passé entre ses jambes. Wouh! Ah! J'ai bien fait de ralentir. Ouh! Ah mais c'est vraiment kiffant ça. Je pense qu'en live il y aura de quoi passer 3-4 heures dessus. Rien que en faisant ça. Bon allez, on va dire 3 quarts d'heure, comme ça ma faute n'a pas été commise à fond. Ah putain. Et encore une fois, je redis à tous ceux qui pensent que la bêta est vraiment le jeu, ils se gourrent complet. Ils se gourrent complet. Moi, pour vous dire sur ma vidéo que je mettrai peut-être finalement, si j'arrive à trouver un moment où je sens que ça, voilà, d'accord, où je sens que ça peut passer, où je sens que pourquoi pas mettre cette vidéo, vous verrez que j'ai aussi pas apprécié cette bêta, mais bon voilà, c'est une démo, une bêta, une démo, faut pas se focaliser là dessus c'est pas ça qui représente un jeu complet. C'est vrai que on peut se dire ça sur tous les jeux et attendre un jeu, le payer, tout ça pour se rendre compte que c'est nul. Je comprends. Mais voilà. Bon, là, je suis plus du tout concentré, j'arrête pas de perdre. Je sens qu'on va se quitter tout de suite. Hein. Ah, ouais, j'avais pas vu. Tiens, là, tout le temps. Alors là. J'ai pas compris, c'est pas grave. Voilà, je suis mort. Bon, bah, c'est pas grave. Tout simplement, je vais vous dire que regardez des lives, hein, tout simple. Des lives, regardez des vidéos sur Star Wars. Vous comprendrez que la bêta ça n'avait aucun rapport, même si voilà, c'était quand même une baffe graphique dès le début. Mais la baffe graphique, je vous assure, elle est toujours là. Même si vous avez déjà joué à la bêta, c'est dingue. Pour vous dire, j'ai joué à la bêta. J'ai joué au jeu. Oh là là, je suis fatigué. Dis donc, j'ai joué au jeu. Je suis revenu après sur Destiny. Je me suis cru jouer sur PS3. Et pourtant, je l'ai déjà dit à certains joueurs avec qui je joue. Notamment mon cousin et puis mon pote Kiki de la Vega, je leur ai dit j'ai l'impression de jouer sur PS3 et pourtant Destiny c'est pas moche, hein, c'est quand même plutôt assez joli, c'est le Unreal Engine 4, donc ça tourne plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Là c'est le Frostbite 3, franchement bravo les gars, hein, c'est vraiment très beau. Après je vais pas dire que c'est on est comme dans un film, on voit qu'on est dans un jeu vidéo, mais franchement pour de la PS4 c'est vraiment très beau. Donc voilà, sur ce j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une présentation plus en détail des modes de jeu,
Hein, déjà, le menu, il est présenté. Ça, il n'y a pas de souci. Je reviendrai peut-être dessus si j'ai deux trois trucs qui me reviennent. Mais voilà, c'est fini pour le menu. Vous savez bien que je présente toujours le menu avant de commencer un jeu pour la première fois. Sauf pour certains jeux, j'ai pas dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, plus je continue à parler, plus ça va être long, donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous allez apprécier, bien sûr, déjà. N'hésitez pas à liker, laisser vos commentaires, comme j'ai dit, même si je sais qu'il n'y aura aucun commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, même si je sais que personne ne va s'abonner. Ça commence bien, tu vois, le gars, il insulte sa communauté direct, les gars. Hop. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller voir la team foot. J'allais dire ça, mais je l'ai pas repris, donc ça sert à rien. Je sais pas trop quoi vous dire. Donc sur ce.